c'est bon? Oui. Okay, c'est ça, je me trouve à être avec mon oncle Serge. C'est ça, c'est le show vient de finir il y a déjà quelques temps, avec le cégep de Rimouski. C'est ça, j'aurais quelques questions pour toi, pour un projet personnel slash scolaire. Ça te va? Oui. OK. Comment je t'accompagne dans tes études? Comment trouves-tu le monde de Rimouski? OK. Qu'est-ce qui t'inspire le plus lorsque tu es lorsque tu écris tes chansons? Très bien. pour qui as-tu voté aux dernières élections? Libéral. Quel est ton meilleur souvenir que tu gardes là, lors de ton passage dans le groupe Les Colocs? Quand je suis parti. Si tu aurais à partager la scène avec toi. Si tu avais. Si tu avais à partager la scène avec un artiste de ton choix, ce serait lequel? Peter Paul! Peter Paul qui est mon guitariste depuis peut-être 7-8 ans et c'est toujours mon préféré. Envisages-tu la possibilité de refaire une autre coopération avec Anonymous? C'est pas prévu, c'est pas non plus forcément exclu. Okay. Mon prochain disque, ça va être un album acoustique. Okay. Fait que je pourrais pas avec Anonymous le prochain disque. Okay. Mais éventuellement, tu sais, j'aime ça de jouer avec eux autres, puis on s'entend bien, tout ça. Fait que éventuellement. C'est possible. Ouais, c'est pas impossible. Okay. Dans tout. Comment qualifierais-tu ton œuvre? Un échec monumental. Ah, ouais. Je sais pas, écoute. Je sais pas. Écoute, moi, tu sais, j'ai eu du fun à faire ça. Je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais écoute, moi, j'ai du plaisir, à, je dirais, jouissif. C'est bon. J'imagine que ta musique t'amène à voyager pas mal oui. plusieurs endroits. C'est quoi les places les plus hautes que tu as rencontrées jusqu'à maintenant? Que tu as aimé visiter? Que j'ai visité? Je ne sais pas les places les plus hautes, c'est dur à dire. Mais j'aime beaucoup aller en Europe, ne serait-ce que parce que ça fait changement du Québec. Tu sais, au Québec, le Québec, c'est pas très grand. On fait toujours les mêmes routes, à peu près les mêmes villes. Tu vois, Rimouski, ça fait, je sais pas, 10, 15, 20 fois, je sais pas, que je joue ici. Quand je vais en France, je vais toujours dans des villes, des villages où je suis jamais allé. Je prends des routes que j'ai jamais prises. Fait que c'est toujours plus excitant parce que c'est un peu l'aventure, l'inconnu, tout ça. Tandis qu'ici, je suis à peu près toujours en terrain connu. OK, voilà. OK. Est-ce que tu réussis à vivre de ta musique tout simplement? Oh, oui, oui. Oui. Ton chef annuel, ça ressemble à quoi? C'est pas yard. Même j'arrive à quand même à payer mes comptes et tout ça. Fait que c'est ça. Deux, trois petits crabes du nord. On connaît beaucoup de Mononcle Serge sur la scène en spectacle. Pourrais-tu nous parler de Mononcle Serge dans son privé? Oh, je vais jouer au badminton des fois avec Peter Paul. D'ailleurs, je vais demain après-midi à 5h30. On a réservé le terrain au centre Pierre Charbonneau, le terrain 4. Ça me tente de voir en train de faire du sport pour vrai. Ah, voilà. C'est bon, prends-en là. Te considères-tu comme un gars créatif? Ouais, minimalement, oui, tu sais. Okay, quand même, faut que je fasse des tunes, tu sais, faut que je fasse des clips. Très pragmatique. Ouais, voilà. Mais ta musique, la considères-tu comme sérieuse ou humoristique? Il y a une dose d'humour, mais je le fais sérieusement. Ben, okay. c'est pas, mon but, c'est pas forcément de faire rire le monde. Okay. C'est pas, je sais pas, tu sais, je veux faire rire. Je veux faire des bonnes tunes, tout simplement. Tu sais, c'est vraiment juste ça, puis évidemment, je suis plus dans un créneau d'humour puis tout ça, mais ce qui m'importe plus, c'est pas que les tunes soient drôles ou pas drôles, c'est que les tunes soient bonnes, tu sais, puis que les gens puissent les écouter plusieurs fois, puis que ça soit le fun à écouter. OK. Mais là, aurais-tu envie de nous faire rire, là? Ah, j'aime pas ça faire rire le monde dans la vraie vie. Peter Paul, d'ailleurs, lui, est très drôle dans la vraie vie. Mais moi, je suis pas très... Peter Paul, aurais-tu envie de nous faire une joke? Bien sûr! Ouais, une joke sur ma mère Baratoule. Normal de Ratouille? Oui. Ben ouais. Oui. Moi, mon grand-père, quand il a vu Normand Brathwaite à l'époque au Lac-Saint-Jean à TV, tu sais, au Lac-Saint-Jean, c'est quand même assez recru, et puis il avait jamais vu de noir. Il essayait d'ajuster le contraste à la TV, il pensait que sa TV était brisée.
Ah! Eh, ben bravo! Et pour conclure mon entrevue, j'aimerais savoir, pour les jeunes qui aspirent à devenir comme toi, qu'est-ce que tu leur conseilles? Le suicide! Bon, ben merci beaucoup, mon oncle. Ça m'a fait plaisir. Ben, pareillement. Faut te rendre ton chapeau. Non, non, je te le donne, c'est un cadeau. Ah, Colin, puis il y a le prix marqué dessus. Je peux mesurer ta générosité. Deux piastres. Ouais, c'est un bon début. Chapeau de clown. Bon, ben, putain, merci bien. Ben, merci. Je vais le jeter avec grand plaisir.